Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Secondaire. Aujourd'hui, 80e vidéo des trouvailles et des achats de jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est fou le nombre de consoles que je vais vous montrer dans cette vidéo. Sincèrement, j'ai mis la main sur plein de petites consoles, plein de pépites. Consoles en boîte en plus, fait que on s'est fait plaisir. Bon, on va commencer par... On va y aller de crescendo, les amis. Fait qu'on va commencer par les consoles, les accessoires les moins intéressants, mais quand même intéressants. Et on va finir avec le summum. Fait qu'on va débuter avec quelque chose d'assez commun que je n'avais pas encore. Et c'est cette petite PS1. Oui, j'avais déjà une PS1. J'en avais même deux. Une autre qui fonctionne moins bien. Mais j'avais quand même le goût d'avoir... cette petite console PS1, hein, qu'on peut même trouver si on veut un écran, puis avoir cette console qui devient très portable en réalité. C'est un beau petit modèle, j'aime ça des fois avoir les variantes. Hein. Et celle-ci, je ne l'avais pas, c'est que, étant donné que j'étais en mode chasse, trouver quelque chose d'intéressant à acheter, ben j'ai réussi à mettre la main sur cette console. C'est sûr qu'elle m'a coûté quand même 45$. C'est pas le prix que j'aurais voulu payer. Hein, on s'entend qu'à l'époque, ces consoles-là, on pouvait les payer facilement 10$ sans problème. Elle venait avec bien sûr toutes ses câbles qui sont juste là et une manette PS1 malheureusement qui est un peu jaunie si on compare, mais avec un petit traitement que je serais habitué de faire pour les rendre un peu plus blanches, ben je ferai cette opération là et ça fonctionnerait. J'avais déjà une autre manette PS1, ça fait que je vais avoir ma console PS1 avec les deux manettes. J'ai bien sûr le fil traditionnel RCA. Et j'ai ma petite boîte de courant pour bien sûr brancher le tout. Fait que très content de rentrer cette édition-là. Idéalement, peut-être la chance un jour de trouver une boîte qui va pouvoir aller à l'intérieur. Ça aurait été bien de le faire immédiatement, mais malheureusement, des fois, quand on est à la chasse pour trouver des pièces de collection, on tombe pas toujours sur des consoles en bois. Par la suite, j'ai mis la main au même endroit. J'ai mis la main sur ce magnifique... c'est pas un Game & Watch en tant que tel parce que c'est pas Nintendo, mais on se retrouve avec un jeu... Je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est vraiment un jeu Pac-Man. Vous voyez? C'est un jeu Pac-Man qui... était un format, ça, c'est quasiment, je dirais pas une console japonaise, là, parce que c'est pas le cas. C'est tout ce qui manque, c'est un petit collant ici, Pac-Man. Ça joue bien, ça joue avec ça, on peut se déplacer. On peut mettre deux modes différents. Elle a besoin un petit peu de restauration, ce que je vais peut-être faire un jour. L'écran légèrement a été, elle a eu un fil dessus, puis ça l'a comme fondu ici aussi. Des fois, les plastiques, hein, comme ils réagissent, c'est fait avec du pétrole. Des fois, tu sens que le plastique, il y a du gras qui sort de là. Ça l'a comme légèrement brûlé. Fait que ça, je pourrais légèrement avoir un papier sablé très fin. Et après ça, remettre un bon vernis, un poli, une cire à voiture. Je pourrais polir tout ça, puis ça pourrait... devenir une très belle console. Peut-être refaire un petit peu la peinture au niveau amateur pro on puis off. Puis il resterait juste à trouver, refaire faire un petit collant officiel, dépendamment. Ou sinon, peut-être en trouver un. Des fois, ça peut arriver de trouver des petits collants officiels de vieilles consoles. Mais regardez-moi ça, sa gueule, sincèrement. Mais moi, je trouvais qu'elle avait un petit look moderne. C'est les années 70, mais ça vient de cette époque-là, c'est les années 80. Mais vraiment un petit look soucoupe volante, petite tête Pac-Man en même temps. Fait que très content de rentrer ça dans la collection. Je pense qu'on va aller trouver les autres consoles portables. Par la suite, toujours dans la même période de recherche, dans la même journée en réalité, je suis allé à un magasin, j'ai récupéré 4 jeux. 3 jeux de ColecoVision, j'adore le ColecoVision, et un jeu PS2. On va commencer par le ColecoVision.
On a mis la main sur un jeu qui se joue avec... je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais je vous montre l'image ici. C'est un trackball, c'est vraiment une boule qu'on déplace un peu comme Q-Bird, ceux qui connaissent. C'est un jeu de même, mais ici, c'est... la manette s'appelle le Roller Controller. Ça s'appelle Victory. Hein, une belle cartouche ici, jaune Victory, qu'on contrôle un vaisseau, mais malheureusement, étant donné que je n'ai pas... le Roller Controller, ben malheureusement je peux pas encore officiellement utiliser ce jeu là. Mais un jour peut-être, je vais mettre la main dessus. C'est une énorme console, c'est aussi gros que la console, le Roller Controller. Je l'ai déjà eu dans le passé, malheureusement, ça c'était ma première période de collection. Et je me suis débarrassé de tout, malheureusement. J'ai la larme à l'œil quand je pense. Ici on se retrouve avec une cartouche qui est pas évidente, c'est quoi? Interface? Interface 1983, fait que c'est pas commun comme, on va dire, compagnie qui fait des cartouches. C'est Squeezems featuring Sam, fait que le gameplay c'est pas compliqué, c'est un personnage qui monte comme des échafaudages, donc des tuyaux, je sais pas trop, il y a des créatures dessus, des insectes, il doit les écraser, mais il doit... le but c'est de se rendre jusqu'en haut. Au fur et à mesure que tu avances dans le niveau, c'est de plus en plus dur. À un moment donné, il y a des objets qui tombent du plafond, là, pis c'est là que c'est pas évident. Et le jeu le plus intéressant, on va dire, dans les trois, et qu'au niveau du gameplay, il est sûrement aussi le plus intéressant, et c'est ce Super Cobra. Super Cobra que je pense que j'avais... Je sais pas si je l'avais sur d'autres consoles. Oui, je le vois, je l'avais sur Atari aussi. Parker Brothers, fait que je l'ai sur Atari et maintenant je l'ai sur ColecoVision. Mais on s'entend que ColecoVision c'est une meilleure console que l'Atari. Fait que très content. On contrôle une espèce d'hélicoptère dans des couloirs assez serrés. Il y a des missiles un peu partout. On détruit autant avec des missiles droits ou des missiles qui vont vers le sol. Fait qu'une petite courbe, mais ça marche quand même assez bien. Fait que très content. Trois petits jeux de plus dans la collection ColecoVision. Autre jeu dans le même achat qui m'a fait de l'œil, et c'est ce Mega Man X7. Moi, les Mega Man, c'est une série que j'adore collectionner. Il était à 19,99$. En réalité, je vous ai pas dit comment j'avais payé. Les 4 jeux, j'ai payé le gros prix pareil ensemble, je les ai payés 60$. C'est pas le prix que j'aime payer, mais juste le Super Cobra, il vaut quand même. Je pense 40$ facile, fait que c'est pour ça. Ouais, ok. Plus le Megaman qui est à 19$, ouais, ok. En réalité, ils m'ont coûté, si on fait un calcul vite, c'est 15$ le jeu. Là. Très content, un beau Megaman complet. Sauf que là, on est en mode 3 dimensions. Mais c'est peut-être pas le Megaman, les Megaman les plus appréciés sur les PS2. Mais pour la collection, moi, je suis très content. Puis regarde ça, ça a quand même de la gueule, là, la pochette. C'est pas dégueulasse. C'est sûr, ça aurait pu être plus beau, mais ça reste très satisfaisant pour moi. Console rétro, mais en même temps, nouvelle génération, qui est la Sega Genesis Mini. Hein? Sincèrement, ça, je l'avais pas encore. Je l'avais vu, je pense que, je suis pas sûr, mais je pense qu'il la vendait 80. Je l'ai négocié à 60, il a accepté, il est même venu m'apporter. Ça, c'est rare que ça fait ça. Habituellement, j'ai tendance à aller chercher tous les achats que je fais. Mais sincèrement, Sega Genesis, j'avais déjà la mini NES, la mini Super Nintendo, la mini PlayStation, la mini Commodore 64. Je rentre la mini Genesis, très content, très content. Tout est dedans, à part, il manquait simplement... Qu'est-ce qui manquait? Je pense qu'il manquait simplement une boîte, une petite boîte en carton qui contenait la console. M'arrêter, j'ai pas besoin. Il y a 30 jeux à l'intérieur. Fait que très content. C'est des bons. Pour la plupart des très bons jeux. Là-dedans, il y a des choses qu'on peut pas vraiment s'acheter aujourd'hui. Je regardais de même Castlevania Bloodline que je possède déjà. Mais quand même, c'est toujours bien de l'avoir là-dessus. Surtout qu'on peut enregistrer. Hein. Fait que ça nous permet un Ghost and Goblin classique, super bon. Là-dessus, on retrouve un Megaman Willis War qui est comme les trois Megaman, mais fait version Genesis. C'est assez surprenant. Ça doit coûter une petite fortune, ce jeu-là, de le trouver en réalité. Il y a bien sûr Castle of Illusion, si je me trompe pas. Ben là, je vois World of Illusion.
y a du Wonder Boy, il y a quelques jeux de shoot 'em up, il y a bien sûr du Sonic, un classique. Mais très content, regardez, c'est 30 jeux. Attendez, je vais essayer de vous montrer de nouveau. C'est 30 jeux là-dedans. Fait que c'est. Vous l'avez pour votre argent techniquement. Fait que très très content. Une belle petite boîte qui va aller retrouver. Je pense que je vais aller essayer de trouver le moyen de l'insérer dans les jeux de Sega Genesis. Ça va être visuellement très beau. Autre console, celle-là je l'ai acheté, mais pas pour la qualité de ses jeux, pas pour la qualité de son histoire, mais pour uniquement pièce de collection. C'est pas une console que je vais jouer, c'est pas une console que je vais modifier. Et je vous parle ici de la Ouya. J'ai eu l'occasion de l'acheter à un bon prix. Elle était affichée à 50. Comme d'habitude, j'ai négocié pour 40. Le gars avait accepté. Malheureusement, celui-ci m'a réécrit par la suite pour me dire qu'il y a quelqu'un qui offrait 60. Puis il avait l'air de dire qu'est-ce que tu veux que je fasse, admettons, je t'accepte ton prêt à 40 ou je vais en 60. Moi je lui dis ok, je vais te l'offrir ton 60$, je vais la prendre pareil. Quand même, ça reste une console qui vaut. qui vaut. Je sais pas si ça vaut ça, mais. C'est pas quelque chose que je vais avoir de la facilité à retrouver après, même si c'est pas quelque chose de recherché. C'est pas l'investissement du siècle, on s'entend. Mais c'est une curiosité. Hein? C'est le genre de console que tu dis qui a existé, qui a floppé, bien sûr. Hein? Il y avait beaucoup de but d'avoir des jeux en ligne, puis il y avait un service à faire. Après, c'est pour ça que moi, tout ce qui est en ligne, à partir du moment qu'il n'y a plus de service, ben ça tombe à l'eau. Il y a déjà quelques jeux qui sont à l'intérieur. Là, la question que je me pose, est-ce que je devrais reformater la console comme ça sortait de l'usine? Je me pose la question, faudrait jouer qu'est-ce qu'il y avait à la base dans l'usine, parce que déjà, les jeux qui ont dedans, c'est très ordinaire, pas grand-chose, puis les peu de jeux qu'il y avait, ils étaient pas ben ben bons. Il y a peut-être Alien vs Predator, que c'est le seul jeu que j'ai trouvé qui avait un peu de potentiel, mais le framerate, c'est dégueulasse. Le gameplay, pour la plupart, c'est dégueulasse. Visuellement, c'est dégueulasse aussi. Mais, c'est ça. C'est une petite curiosité. J'ai décidé d'acheter pour ce prix. Fait que ça va aller dans la collection avec les autres consoles, des fois un peu bizarre. On poursuit avec une console que j'avais déjà en deux exemplaires, mais le fait qu'elle soit en boîte, ça m'a appelé. Puis le prix était quand même correct, mais j'ai négocié encore. Hein. J'ai réussi à acheter le tout pour 120$. Et c'est une magnifique Coleco Vision, bien sûr, en bois. Je vais pas la sortir, mais vous avez déjà la vidéo, hein, dans les vidéos précédentes. Le nettoyage de cette console qui était vraiment pas très propre. Les manettes allaient pas très bien, mais après un bon nettoyage, elles fonctionnent très bien. Il manquait quelques accessoires. Il n'y avait pas le jeu Donkey Kong, il n'y avait pas la petite boîte qu'on met à l'arrière pour les anciennes télévisions avec les petites vis, si ça vous dit quelque chose. UHF, oui. Et il y avait des papiers qui n'avaient pas comme le catalogue de Coleco, la livre d'instructions pour manuel. Toutes des choses que j'ai ajoutées par la suite parce que je possédais déjà. Je les avais récupérées avec d'autres lots de ColecoVision. Ça fait que j'ai pu compléter cette boîte. À mon avis, là, elle est complète à 90%. S'il manque quelque chose, ça doit être des choses très minimes. J'aurais dit même 95%, ça doit être juste des petits papiers. Fait que très 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 content. Elle est quand même pas en excellent état, mais ça reste une console très très potable. Là, la question que je me pose, et là c'est le budget qui va écoper si je décide de le faire, c'est d'acheter les plastiques qui vont par-dessus ces boîtes-là. Mais acheter les plastiques sur eBay, ça va revenir quasiment à 100$ le plastique. Fait que c'est très coûteux, mais en même temps, je me dis que ça pourrait tellement les mettre en valeur. Quand je vais être rendu là, c'est parce que je vais avoir vraiment, vraiment plus de choses à acheter à part pour investir, améliorer l'aspect visuel. Mais très content, sincèrement. Les styromousses sont à l'intérieur. Il y en a un, malheureusement, qui est légèrement brisé. C'est pas la perfection, mais ça reste quand même une belle pièce à mettre dans la collection qui va très bien fitter avec toutes mes autres boîtes un peu plus vintage rétro. Et la dernière console et la moindre, qui est aussi une console que je possédais déjà,
Mais encore une fois, je l'ai vu passer avec plusieurs jeux et la boîte d'origine, et vous allez comprendre pourquoi ça m'a tenté. J'ai mis la main dessus pour 150$ et la personne est venue me le porter. Et j'avais, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 jeux. Plus une boîte vide de baseball que j'ai serré. Je peux la sortir au pire. Et je parle de cette boîte-ci. Magnavox Odyssey 2. Hein, ceux qui connaissent. Oui, c'est très très vintage, ça je vous montre rapidement. Mais j'ai vraiment à l'intérieur la console. La seule chose, c'est que les deux manettes ne fonctionnaient pas. Mais à force de jouer avec, de chercher, j'ai réussi à réparer une manette. La deuxième, malheureusement, fonctionne pas. Mais peut-être que je vais être obligé de pouvoir m'amener, acheter en ligne les circuits pour la faire fonctionner. Ou sinon, racheter une autre console à un prix très très modique pour pouvoir la garder pour pièce. Mais très content. Ça me fait une odyssée en boîte, c'est ça que je voulais, j'aime. Puis j'aime bien le look de ces boîtiers avec beaucoup de couleurs. Ça fait quand même une grosse boîte. On voit, en dessous c'est complètement noir, mais sur les côtés, on peut l'observer. J'ai pris la peine de la nettoyer, de recoller les petits coins pour faire en sorte d'optimiser. Même chose pour cette boîte, il existe des boîtes en cristal pour protéger ces boîtiers, pour les mettre en valeur en plus, mais une fois de plus, étant donné le prix que ça coûte, je sais pas, j'hésite vraiment. Faudrait quasiment que je sois capable d'avoir un package de différentes boîtes ou les acheter localement peut-être pour éviter d'avoir le shipping qui coûte trop cher. Fait que pour ces jeux-là, ben, que j'ai payé 150 la console avec la boîte, j'ai récupéré quelques jeux. Il y en a quelques-uns là-dedans, je me trompe pas. Je pense que je dois en avoir 3-4 qui sont en double. Fait que ça va aller dans le tiroir des échanges. Et un moment donné, je ferai bien un petit post sur Kijiji ou sur Marketplace sur Facebook. Fait que dans ces achats-là, ben j'ai récupéré bien sûr le petit jeu classique qui vient avec la console, hein, qui est Speedway, Spinout et Cryptologic. Hein, c'est trois jeux, un jeu de course, un jeu qui joue de piste de course de haut avec un autre ami, et un jeu qu'il faut faire un mot, puis le mot est mêlé, puis découvrir c'est quoi le mot que l'auteur écrit. Après ça, ici on a un petit Pocket Billard, un jeu de billard, qui est pas facile à jouer. Sincèrement, je l'ai essayé un peu. Moi, ce que j'aime beaucoup, parce que là, c'était les deux cartouches loose, c'est les boîtes. Et ça, c'est l'avantage de cette console-là. Les belles boîtes en plastique, c'est tout solide. Même si sont un petit peu graffillées. Tout ça, sincèrement, ça, un jour, je ferai une vidéo montrer comment rendre cette boîte-là beaucoup plus belle. Et que avec là-dedans, on retrouve la petite pochette, on trouve le livret. Je peux le sortir. Il y a le livret français, anglais, dépendamment. Et on a le jeu à l'intérieur. Fait que c'est complet. Ça c'est un petit jeu, l'image est super belle, hein. Moi sincèrement le visuel de ces jeux là à l'époque ça donnait le goût. C'est sûr que technologiquement parlant ces cartouches là c'est pas, ça le fait pas là, c'est très pixelisé. T'sais, si vous connaissez l'Atari 2100 c'est encore plus pixelisé que ça, il y a moins de résolution je trouve. Mais visuellement on voit comme deux cowboys un petit peu futuristes avec sa main, un petit peu une main à la Star Wars de Luke Skywalker quand il se fait couper la main. On a un petit jeu ici de Demolition Destruction, une espèce de breakout avec bien sûr encore une fois cartouches à l'intérieur, les livrets, des fois un français, un anglais, très bon, boîte en plastique, juste besoin d'un petit cirage au niveau du visuel. Un petit golf, hein, que j'avais déjà, sauf que je pense que oui, mon golf je l'ai dans une version boîte de carton. Là c'est là qu'il va falloir que j'aille fasse un choix. Est-ce que je garde les boîtes plastiques ou je garde les boîtes carton ou je garde les deux éditions? Maintenant, ça au niveau de la collection, quand tu commences à avoir des doubles, comme vous voyez, il est encore complet, ça vient complexe un peu. Puis ça, avoir des doubles, personnellement, j'aime plus ou moins ça. Fait que je me questionne, qu'est-ce qui serait préférable? Un petit Kissy Crazy Chase que j'avais déjà. Fait que lui, c'est sûr qu'il va dans la boîte de double. L'espèce de clone de Pac-Man, mais là, faut aller manger l'espèce de chenille, de centipède. En tout cas, c'est un jeu quand même intéressant. On a ici un petit chase, non, bataille de blindés, ou chasse au sous-marin, parce qu'on a le titre en français et en anglais. Fait que ici,
On a des sous-marins, on a des avions, puis on se tire dessus. Complet. En bon état. Super boîte aussi. On a un petit jeu de football, hein, ici. Regardez, toujours le même visuel qui fonctionne très bien avec les couleurs, les bons choix de couleurs. Ça met le jeu en action, ça a un petit côté futuriste. Très bien, le jeu complet avec les livrets aussi, dans une belle boîte en plastique. Très content. On a un petit envahisseur extraterrestre. Lui, en réalité, c'est pas compliqué, c'est un Space Invader, hein, mais la version Magnavox Odyssey 2. Que je possède aussi déjà, mais j'avais en... Ah, si je me trompe pas, je l'ai en loose. Fait que celui-ci va bien sûr prendre la place de l'autre. Je suis en échange. On a un petit pinball, machine à boules. Malheureusement, machine à boules, c'est un peu bizarre. Je comprends pas pourquoi. Mais je l'ai deux fois. J'ai une version boîte dure, puis j'ai une version cartonnée. Et c'est là qu'on voit que c'est ma déduction. Ça, à mon avis, c'est les premières boîtes, solides, plastiques. Et à un moment donné, ben, ils ont décidé de faire sûrement des économies, puis ils sont passés en mode boîte de carton. Qui reste quand même sympathique, mais c'est moins solide. Ils ont tendance à s'écraser. Là, j'ai leur fait le petit coup traditionnel du fer à repasser. Fait que la boîte est revenue bien droite. J'ai collé ce qu'il y avait à coller parce que c'était déchiré ici. Mais j'ai... Oui, le pinball... deux versions. Mais l'affaire que j'aime bien sur les boîtes cartonnées, c'est qu'il nous donne un petit visuel de plus comparé à l'autre plastique qu'on a rien. Ça fait qu'on se retrouve soit avec ça, soit avec ça. C'est quand même intéressant. Mais en même temps, le fait d'avoir le livret ici, ça a tendance... Parce que là, je le sortirai pas, mais il est ici. Ça a tendance à le briser beaucoup plus. Ça fait que... Je trouve que les boîtes de carton, c'est comme l'impression que ça me donne, c'est quand c'est la deuxième édition ou troisième, dépendant. J'ai aussi un voyage dans l'espace. Hein? Personnellement, je m'en rappelle plus, tu sais quoi. Exactement. Mais regardez encore, super belle boîte, avec les belles couleurs. Toujours le même choix de couleurs, harmonie de couleurs, ça fonctionne très très bien. On a un War of Neff. Vous voyez, lui, il est en... En carton. Oh, lui, c'est l'étiquette qui manque. Fait que ça, je vois. Peut-être que je vais m'en faire une maison avec l'imprimante. Là, on verra bien là, pour que ce soit un visuel plus intéressant. Ou sinon, je tombe par hasard sur un autre. Je vais changer. Là, on voit un visuel. Là, c'est drôle parce que le visuel qu'on voit ici, c'est pas le visuel du jeu. Hein? Ça peut nous faire penser que c'est le jeu, mais en réalité, le jeu, c'est peut-être lui en haut. Ben, je sais pas, je dis ça de même, là, mais j'ai jamais vérifié. Oui, c'est ça exactement. Il nous montre le vrai visuel sur la petite écran. Puis en bas, il essaie de nous vendre un autre modèle. C'est un peu de l'arnaque, on va dire. Surtout si tu attends que le visuel, c'est lui du bas. Parce que c'est très beau. Après ça, on a un petit pachinko. Un pachinko, les espèces de boules qui tombent dans une machine, c'est très chinois-japonais. Là. Je pourrais pas dire exactement, mais dans ce cas-ci, le pachinko, il est assez rudimentaire. Là. Si je vous montre la boîte ici, admettons, là. Puis t'as deux petits personnages à déplacer pour réussir à le faire tomber. Puis on a une petite image en bas un petit peu plus sympathique, très colorée. Après ça, on a... ça, c'est un jeu, malheureusement, qui est incomplet. C'est les jeux, je pense qu'ils en ont sorti trois en tout, avec les grosses boîtes. Comme le Quest for the Ring que je vous avais déjà montré dans une autre vidéo. Ici, on se retrouve avec de Conquest of the World, conquérir le monde. Vous voyez, même déjà la cartouche est plus brillante. Ça fait que ça, c'est comme une espèce de jeu vidéo, jeu de société, parce que t'as normalement une grosse boîte avec des pions, t'as un overlay qui va sur ton clavier d'Odyssey. Ça fait que c'est beaucoup plus complexe à jouer. Mais dans ce cas-ci, j'ai simplement la cartouche. Ça fait que peut-être un jour, j'aurai la chance de retrouver le reste. Ça, c'est la beauté de la chasse aux jeux vidéo. Et on finit avec... un format différent qui est bien sûr pour les Odyssey 2 aussi, mais j'aurais tendance à dire la version européenne. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais c'est marqué fabriqué en France ici et c'est Video Pack C11. Moi ce que j'aime pas, c'est que c'est tellement pas aussi sympathique. Le jeu de papier il est rugueux, tu vois que c'est pas de super qualité. Au niveau de l'image, c'est moins charmant, vous voyez, ça c'est très coloré. Puis on arrive ici,
je sais pas trop. Au niveau du design en général, c'est pas quelque chose qui m'a convaincu, mais ça reste du vidéo pack. Et là, on voit le numéro 11. Et il y a peut-être vidéo pack numéro 10, 9, 13, et tout ça, et ainsi de suite pour les jeux pour les identifier. Fait que ça, c'était le dernier jeu qui venait avec le Magnavox Odyssey 2. Fait que ça, c'est tous les achats que j'ai eu. Ce que j'ai eu. J'ai réussi à mettre beaucoup de jeux, de mettre la main sur beaucoup de jeux et de consoles qui vont rentrer directement dans la collection, directement dans le décor. Ça fait que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'ajouter des commentaires et de mettre des pouces bleus. C'est toujours très apprécié de pouvoir discuter de temps en temps avec vous. Ça fait que moi, je vous dis bye et à la prochaine vidéo.